Une fois n'est pas coutume, je vais encore vous parler de mon enfance en ouverture de vidéo. Voyez-vous, quand j'étais petit, je vivais à la campagne. Étant assez solitaire à cette époque, il m'arrivait très souvent d'aller jouer tout seul dans les collines et les champs qui entouraient ma maison. Le genre d'endroit où l'on croise souvent ces immenses pylônes électriques pouvant mesurer jusqu'à 35 mètres de haut, qui étaient, dans mon imagination, autant de monstres géants métalliques dont je devais me protéger, ou bien abattre à l'aide d'un bout de bâton qui me tenait lieu de pistolet laser. J'imagine sans peine que beaucoup d'entre vous ont fait ça lorsqu'ils étaient enfants. En tout cas, je peux me tromper. Mais à mon avis, s'il y a bien une personne qui devait se taper le même délire lorsqu'il était gosse, c'est bien Steven Spielberg. Il y a des signes qui ne trompent pas. En tout cas, c'est ce que je me suis dit en voyant pour la première fois son adaptation de La Guerre des Mondes alors que j'avais 15 ans. Un film qui m'a avalé, m'en a fait voir de toutes les couleurs, puis qui m'a recraché pour me laisser littéralement sur le carreau. Quand je suis sorti de la salle, j'avais l'impression de sortir d'une machine à laver. J'avais le tournis, les oreilles qui sifflaient, et les yeux qui fixaient bêtement le sol, perdus dans mes pensées, voulant à tout prix me remémorer avec précision tous les plans iconiques que j'avais vus. Mais avant d'en parler plus en détail, remontons encore plus loin dans le temps. Vous êtes prêts ? Oui. La Guerre des Mondes, c'est un roman de H.G. Wells publié en 1898 qui marqua au fer rouge ce qu'allait être ce genre littéraire que l'on appelle la science-fiction et qui a, à juste titre, admirablement bien été reçu par la critique comme par le public. La Guerre des Mondes, c'est aussi une émission de radio animée par Orson Welles en 1938, dont la célèbre anecdote, que vous connaissez sans doute déjà, voudrait nous faire croire que des millions de citoyens américains qui auraient pris l'émission en cours de route ont été pris de panique, pensant alors que ce roman de fiction était en fait un flash d'information. Les gens auraient alors fait leur bagage. J'ai pris la fuite dans une hystérie collective, persuadé d'être attaqué par les Martiens. Mais on sait aujourd'hui que cette histoire a été très largement exagérée par la presse et plus tard par le public. C'est aussi une première adaptation au cinéma en 1953 qui, il faut bien le dire, a été quelque peu oubliée par le public. Hein, on se fout de la gueule de Ed Wood, mais enfin là, on voit clairement les fils de nylon qui font flotter les soucoupes volantes. Je sais que le film commence à dater, mais merde, les mecs, faites un effort. Et c'est donc aussi un film de Steven Spielberg avec Tom Cruise sorti en 2005 qui a été, je pense qu'il est important de le préciser, rattrapé de justesse par la critique, mais rejeté par le public. Et aujourd'hui, on va tenter de comprendre pourquoi. J'en profite dès à présent pour avertir ceux qui ont détesté ce film. Fuyez, car cette vidéo risque de beaucoup, beaucoup vous énerver. L'arrivée de l'homme sur une autre planète que la sienne, elle, on sait à quoi elle ressemble. Chacun d'entre nous avons grandi avec les images de Neil Armstrong posant son pied sur la Lune. Aussi, ce moment privilégié fait à jamais partie de l'histoire avec un grand H et de notre imaginaire collectif depuis 50 ans maintenant. Excepté pour ceux qui ont décidé de ne pas y croire. Et c'est parfaitement leur droit. Merci Houston, terminé. En revanche, l'arrivée toute probable d'une espèce extraterrestre sur notre planète, elle est soumise à tous les fantasmes. On peut lui donner toutes les formes possibles. Il est très probable qu'elle ait déjà eu lieu. Je pense pas que les gens soient encore prêts à entendre ça, Houston. Pas de problème, Aquarius. Merci quand même, terminé. Même si mon âme de petit garçon attend cette rencontre depuis toujours, les yeux rivés sur le ciel, je suis presque heureux qu'elle n'ait toujours pas eu lieu, afin de pouvoir encore regarder les films qui anticipent toutes les formes qu'elle pourrait prendre. Et il y en a beaucoup. Et s'il y a bien un réalisateur qui excelle dans cet exercice, c'est bien Steven Spielberg. Si bien qu'il est impossible de parler de rencontres extraterrestres au cinéma sans parler de lui. Bien que s'étant fait connaître à travers des films dits d'angoisse tels que Duel ou Les Dents de la Mer, Steven Spielberg reste et restera dans l'inconscient collectif comme le cinéaste du merveilleux, de l'au-delà, retranscrivant à l'écran avec le brio d'un technicien de génie ses rêves d'enfant. Qu'il est convenu en effet de parler de rêve lorsqu'on évoque Spielberg. Cependant, plus qu'un réalisateur, plus qu'un producteur, nul doute qu'on se souviendra de lui comme un homme qui réalise ses rêves, qui en fait quelque chose que l'on puisse voir et toucher, qui trouve sa réussite dans son mérite. François Truffaut a même dit un jour à Spielberg, « Vous devriez faire un film sur un enfant parce que vous en êtes un vous-même. » Mais c'est oublier qu'un enfant, ça ne fait pas que rêver. Un enfant, ça fait des cauchemars. De terribles cauchemars.
Baudelaire dans une interview dit la chose suivante. « Quand j'étais petit, je faisais des cauchemars tout le temps. Mes parents ne savaient pas quoi faire. Ils ont fait venir un ami médecin quand j'avais 4 ans pour essayer de comprendre pourquoi je me réveillais toutes les nuits en criant. Le seul rêve agréable que je faisais, c'était un rêve où je volais. On fait tout ce rêve quand on est enfant, mais en règle générale, mon imagination me maltraitait, je ne pouvais pas la contrôler. J'avais vraiment une imagination hyperactive. » Qu'il est à mes yeux injuste et absurde de qualifier Spielberg de cinéaste enfantin qui refuse de grandir, comme sa réputation le laisse parfois entendre. Surtout lorsqu'on le compare aux autres principaux acteurs du Hollywood de ces 20 dernières années, tels que James Cameron, Robert Zemeckis ou encore J.J. Abrams. C'est quand même incroyable que l'on dise encore de lui qu'il n'a jamais fait que des films niais et édulcorés dégoulinant de bons sentiments. Même si, ok, ces derniers temps il a plus tendance à verser dans un sentimentalisme un peu limite, je préfère me souvenir d'une de ses meilleures périodes selon moi, qui débuta en 98 avec ce film. Hein, il y a quand même pire comme début de parcours de... Attention ! Puis qui continua avec AI Intelligence Artificielle, de très loin le film le plus étrange de sa carrière, l'incroyable Minority Report dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, le sublime Arrête-moi si tu peux, le Terminal. Ouais, on peut pas être en forme tous les jours. Hein. Tu veux qu'on parle d'Indiana Jones? Non, ça va. Et cette merveille absolue qui est Munich, un film que pour ma part j'aime encore plus que La Liste de Schindler, et qui est probablement un de mes films préférés de toute sa carrière, aux côtés de celui qui nous intéresse aujourd'hui, La Guerre des Mondes, qui clôturera en beauté cette fameuse période sombre de Spielberg, que beaucoup de critiques considéreront même comme le film le plus noir de sa vie, et qui est son seul et unique film de rencontre extraterrestre qui ne possède ni dialogue, ni tentative de communication. Après, on peut se demander, est-ce que ce film nous parle vraiment d'extraterrestres? Connaissant le réalisateur et au vu de l'actualité des États-Unis en 2005, on est en droit de se poser la question. Et oui, vous me voyez venir. Tout le monde s'en est rendu compte à sa sortie, et Spielberg ne s'en est jamais caché, donc inutile d'enfoncer des portes ouvertes. Cela dit, si cette version de 2005 est un des plus grands représentants du film post-11 septembre, on remarque que la crainte des aliens n'est peut-être pas non plus à l'origine de cette fiction. D'ailleurs, si on se penche un peu sur l'œuvre originale, on découvre que le roman de Wells s'inscrit dans une tendance littéraire que l'on n'appelait pas encore la science-fiction, puisque ce terme n'existait pas encore à l'époque, mais dans celle de la guerre future, un sous-genre littéraire qui débuta en 1871 avec le roman The Battle of Dorking, l'auteur y décrivait l'invasion fictive de l'Angleterre par l'Allemagne dans le but d'alerter la nation sur l'impréparation du pays à faire face à un tel événement si jamais celui-ci se réalisait. La Guerre des Mondes fut le premier livre de cette mouvance littéraire à décrire la potentielle menace, non pas comme un autre pays, mais comme une espèce extraterrestre. Avant Wells, le sujet n'avait pratiquement jamais été abordé, nulle part. Merci Herbert, vous ne serez jamais assez nombreux pour nous coller des angoisses. Y a pas de quoi, ma gueule. Puis arriva les années 50 et la grande mode des films d'invasion extraterrestre déferla sur Hollywood. Avec des classiques tels que Les soucoupes volantes attaquent, Le météore de la nuit, L'envahisseur de la planète rouge, Les survivants de l'infini, et bien sûr The War of the World. Autant de films de SF qui traduisaient la crainte des Américains devant l'Union soviétique et d'une probable guerre nucléaire imminente, et qui, au passage, n'a pas manqué de marquer l'enfance du jeune Spielberg, qui, des années plus tard, a décidé de réactualiser cette histoire a priori dans le même but que ses prédécesseurs, à savoir prendre le pouls de son époque et imager de manière frontale ses plus grandes angoisses. Mais cette fois-ci de manière peut-être encore plus crue qu'à l'accoutumée. Et à mon sens, c'est là que l'on comprend mieux son véritable objectif avec cette adaptation. Si le roman de Wells fut comme une sonnette d'alarme qui engageait la population à se tenir prêt, le film de Spielberg, lui, semble nous dire « On nous avait prévenus, on savait que ça nous pendait au nez, et puis c'est arrivé. » Et on remarque assez vite que ce film froid, tourmenté et totalement dépressif, qui ne semble jamais s'affranchir de l'angoisse du terrorisme de la Shoah, dénote complètement du film de 53, qui ne semble être en comparaison qu'une aventure horrifique qui lorgne parfois vers la série B. C'est pourquoi ce film n'est certainement pas un remake, mais bien une adaptation digne de ce nom, qui s'éloigne de manière toujours très intelligente du roman éponyme, tout en gardant le même objectif que ce dernier, balayer l'anthropocentrisme d'un revers de main. Mais je sais bien, mes agneaux, que ce n'est pas avec ce genre d'argument que je vais vous convaincre. Ceux qui me connaissent déjà savent bien que ce qui me fait le plus vibrer au cinéma, outre le background littéraire, la complexité du scénario et le jeu d'acteur, c'est bien la mise en scène. Un terme que je vous serine inlassablement à longueur de chronique, et avec lequel je n'aurai jamais fini de vous prendre la tête. Aujourd'hui, vous êtes prévenus, toute cette vidéo ne tournera qu'autour de ça. La mise en scène. Le roman lui-même semble être taillé pour ce concept. D'ailleurs, devinez quoi ? Je l'ai même lu dans la préface. La Guerre des Mondes est certes un roman d'idées,
Mais c'est d'abord un récit haletant, dont l'intérêt ne faiblit jamais. Sa réussite tient beaucoup, pour emprunter au vocabulaire du cinéma, à sa mise en scène. Alors, préparez-vous, misérable humain. Aujourd'hui, nous serons tels des fourmis sur une autoroute. Aujourd'hui, tous nos sens seront en alerte, parce que c'est tout ce qui nous reste. Aujourd'hui, plus aucune arme ne nous sauvera. Aujourd'hui, c'est la guerre des mondes. Le film s'ouvre, bien entendu, sur une introduction qui vise à nous faire comprendre que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Avec, en guise de narrateur, le grand Morgan Freeman. Une séquence qui a donné beaucoup de grains à moudre aux détracteurs de ce film, et on peut comprendre pourquoi. En gros, les gens se sont dit que Spielberg s'est débarrassé dès l'intro du semblant de scénario qu'il avait en l'expédiant avec des images de stock shot et un texte assez plan-plan. Perso, ça ne m'a pas plus dérangé que ça. Car je pense, et je revendique, contrairement à beaucoup de gens sur le net, qu'un film qui ne mise pas sur son scénario n'est pas forcément un film raté. Mais on y reviendra plus tard, j'ai pris tout mon temps pour vous l'expliquer. En ce qui me concerne, je considère ce texte d'introduction comme l'héritage de H.G. Wells que Spielberg était obligé de respecter, quand bien même il aurait décidé de faire de sa Guerre des Mondes une pure expérience de mise en scène, et non respecter les écrits de l'auteur à la virgule près, comme un bon élève qui récite sa leçon. Pour ça, merci. On enchaîne alors avec la première véritable image du film, un plan large de New York. Et profitez-en bien parce que c'est le seul et unique plan qui nous montrera une grande ville. On en arrive donc déjà à l'une des meilleures idées de ce film, prendre le contre-pied total de tous les films catastrophes sortis jusque-là. Steven Spielberg et son scénariste David Koepp ont dressé une liste de tous les clichés qu'ils voulaient éviter pour cette adaptation, à savoir destruction de monuments historiques, des plans de Manhattan ravagés, de généraux et autres forces militaires dissertant autour d'une carte, et surtout nous montrer l'itinéraire du président des États-Unis, passant de la Maison Blanche à un bunker ou autre abri anti-atomique. Ce faisant, Steven donne une leçon aux deux forains les plus célèbres d'Hollywood, qui se réclamant pourtant du cinéma de Spielberg, ont dû se mettre à deux pour réaliser inlassablement le même film de merde depuis plus de 20 ans. Cela dit, si la catastrophe... Ouais, attendez, je sais pas, il manque un truc à ce visuel, non? Hein? Ouais, ça va pas, attendez, deux secondes. On va arranger ça. Alors, déjà, on va rajouter de la couleur, hein, beaucoup de couleurs. Des femmes très distinguées, hein, parce que Michael Bay, voilà. Ensuite, pour Roland Emmerich, on va mettre des gros avions militaires, hein, des gros tanks, hein, voilà, des explosions. Ah, et j'allais oublier le plus important, bien sûr. Eh ben voilà, le tour est joué. Maintenant, on rajoute juste de la musique de beauf, et puis c'est bon. Vous voyez, c'est pas compliqué le montage, en fait, hein. Bref, c'est donc dans ce même plan d'ouverture que nous découvrons notre héros, avec de grosses guillemets, Ray Ferrière, un docker vivant dans le New Jersey. S'il quitte le boulot un peu plus tôt que prévu, c'est parce qu'il a rendez-vous avec son ex-femme pour récupérer ses deux enfants qu'il n'a le droit de voir que le week-end. Après avoir rendu le... Oh putain, attends, pause. Alors, je sais que parfois je pars un petit peu loin, ou peut-être que je sais pas, j'ai sans doute trop joué dans mon enfance avec des pylônes électriques, mais... Là, ne venez surtout pas me dire que je suis le seul à y avoir pensé. Ça m'a littéralement sauté à la gueule la première fois que j'ai vu le film en salle. Ce putain de pont qui occupe tout le cadre, filmé en contre-plongée. C'est quand même un sacré hasard pour un film qui nous parle de gigantesques machines de métal qui sortent du sol. Je vous avais promis de la mise en scène. En voilà de la mise en scène. Ce plan n'est pas, il ne peut pas être anodin. Spielberg suggère insidieusement en une seule image la menace dormante qui se cache sous terre. Car c'est là aussi une des meilleures trouvailles du film, les faire sortir du sol plutôt que de les voir tomber du ciel. De plus, si c'est aussi subtil, c'est aussi parce que Spielberg n'insiste pas sur ce plan. De toute façon, il parle de lui-même. S'il y avait eu, je sais pas, un bruitage ou quelques notes d'une musique inquiétante, ça aurait tout gâché. Là, on n'entend que le bruit des voitures et des passants dans la rue. Cette sensation de quotidien est immédiatement et presque inconsciemment brisée par ce pont gigantesque filmé de manière menaçante. Alors vous pouvez toujours me dire « Ouais, c'est bon Marty, arrête de te branler, c'est juste un pont. » Mais moi, quand je vois cette image, je vous le dis, ils sont déjà là. On continue. Ray se gare devant chez lui et constate que son ex-femme et ses enfants l'attendent depuis une demi-heure. Puis ces derniers descendent de la voiture pour dire bonjour à leur père avec toujours ce pont super flippant en arrière-plan.
Ok, j'arrête. Et c'est là qu'on enchaîne sur le casting. Je n'ai personnellement rien à dire sur Tom Cruise dans le rôle principal, dont la performance dans ce film est pour moi irréprochable. Et maintenant, je vais vous montrer la réaction d'un Français lorsqu'on lui dit que Tom Cruise est un bon acteur. Vous êtes prêts ? Voilà, donc moi j'aime bien Tom Cruise, pas vous, je sais. J'aimerais pouvoir développer, mais hélas, nous manquons de temps. Surtout que celle qui s'est pris une volée de bois vert pour ce film, que dis-je, un rondin de séquoia, c'est bien Dakota Fanning pour son interprétation de Rachel. Alors, comme j'ai de l'estime pour vous, on va pas faire comme si vous ne saviez pas ce qu'est un mauvais enfant acteur, d'accord ? Youpi ! Non, on va passer directement au premier chef d'accusation, le fait qu'elle crie tout le temps. Et là, c'est vrai, j'avoue, vous avez totalement raison. Non mais c'est vrai, Rachel, si on devait tous se mettre à hurler juste parce que des tripodes de 40 mètres de haut se mettaient à sortir du sol, ce serait quand même n'importe quoi ! Tu voudrais pas déranger les grandes personnes ? Plus sérieusement, je pense qu'il serait temps de rectifier le tir en disant que c'est plutôt son personnage que vous n'aimez pas. Une mademoiselle je sais tout, très expressive, un poil trop mature pour son âge, qui au passage me fait beaucoup penser à Lisa Simpson. Je peux comprendre qu'on puisse se sentir agacé, surtout si de base on a du mal avec les enfants. Mais mauvaise actrice ? Ça je crois pas, non. Après avoir passé plusieurs années dans des écoles de théâtre, je peux vous dire qu'elle couche facilement la plupart des péteux de 25 piges qui se prenaient pour Marlon Brando que j'ai pu croiser dans ma vie. On continue dans la défense des acteurs avec Justin Chatwin dans le rôle de Robbie qui dans ce... Ah oui, non, là par contre, je peux rien pour toi. Pour en revenir au début du film, on est en terrain connu. Spielberg fait dans ce film ce qu'il fait le mieux, aussi bien pour ce qui est de faire tout péter... que son talent pour filmer les familles dysfonctionnelles. Tous ces films jouissent de cette alchimie entre les personnages, ce rapport à l'enfance et au cercle familial. C'est indéniable, Spielberg a un don pour ça, un truc qu'on n'apprend pas dans les écoles. Dans le cas présent, ce n'est peut-être pas transcendant ou novateur, mais ça sonne juste. L'atmosphère pesante que l'on ressent lorsque son ex-femme entre dans la cuisine, le rapport à la nourriture et au repas au sein d'une maison, est un bon indicateur pour jauger de l'état psychologique des personnages et des rapports familiaux dans les films de Spielberg. Si Ray Ferrier n'est pas ce qu'on appelle un père très présent, c'est parce que lorsque sa fille lui demande ce qu'on va manger, il lui conseille de commander pour se faire livrer. Mais aussi parce que le frigo est vide lorsqu'il reçoit ses enfants et que le lait est périmé. Dans E.T., si les enfants se disputent pour savoir qui a mis la table et qui va débarrasser, avant que la mère n'éclate en sanglots, c'est parce que le père, lui, est carrément absent. Et dans un autre registre, on a aussi le personnage d'Eric Bana dans Munich, qui vers la fin du film continue de préparer frénétiquement des repas pour se persuader lui-même qu'il est encore un homme normal. Peter Borning, qui ne commence sa mutation en Peter Pan que lorsque son imagination lui donne à voir des aliments dans son assiette. Martin Brody, qui ne touche plus la sienne depuis qu'il sait qu'un requin rôde sur les plages dans les Dents de la Mer. Anderton qui ne se contente que d'un paquet de céréales en guise de repas depuis que son fils a disparu. Et je vais m'arrêter là parce que vous êtes venus pour une attaque d'aliens, pas pour voir des gens bouffer. En seulement quelques plans et deux ou trois répliques, tout dans cette scène laisse deviner un divorce difficile. Que ce soit le regard terrifié de Rachel qui redoute une dispute entre ses parents alors qu'ils n'ont échangé que quelques mots, ou le regard de Ray lorsqu'il voit sa fille embrasser son beau-père. Perso, j'aime beaucoup le « Ils sont un peu grands pour faire chambre commune. J'ai pas reçu de plainte. » Non, moi aussi. Le genre de réplique que tous les enfants de divorcés ont entendu au moins une fois. S'ensuit alors la scène où Ray impose à son fils, avec qui il est en conflit, de venir faire quelques passes dans le jardin. Leur rivalité est visible jusque sur leurs casquettes, puisque l'un soutient l'équipe de Boston et l'autre celle de New York. Habile. Cette technique de mise en scène visant à traduire le rapport entre ces deux personnages, en l'occurrence qui envoie la balle le plus fort, est agrémentée par des dialogues qui vous sembleront familiers si vous avez déjà eu des problèmes avec votre paternel. Le garçon qui accuse son père de faire toujours les mêmes blagues, ce dernier qui feint de savoir lorsque son fils raconte des mensonges alors qu'il n'en sait rien du tout, va faire tes devoirs, toi-même t'as pas ton bac, etc. Au début ça passe, et puis après forcément... Bon, voilà. Comme je l'avais dit, simple mais efficace. Ne serait-ce que pour bien poser l'ambiance de merde dans la maison en un minimum de temps. Et là, vous avez certainement envie de me dire, mais Marty, qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'ils partagent la même chambre ou de ce qu'il y a à manger dans le frigo ? Ce à quoi j'ai envie de répondre, La Guerre des Mondes est un film catastrophe intimiste. C'est ça le sujet de cette vidéo. C'est justement cette sensation de quotidien qui m'intéresse dans cette adaptation. Jusqu'ici, les films d'invasion extraterrestre qui ont puisé leur inspiration dans le roman de Wells ont fini par montrer bien vite leur limite, à force de ne suivre que des scientifiques ou des militaires. D'où l'intérêt de passer d'un astronome féru de science dans le roman à un américain de classe moyenne dans le film. Tous les choix qui visent à transposer le récit du livre dans notre époque sont très judicieux. Par exemple, si dans le roman on passe les 5 premières pages à observer des rayons lumineux étranges dans le ciel avant qu'il ne se passe quoi que ce soit sur Terre, dans le film, il faut tendre l'oreille pour entendre la télévision parler d'activités anormales dans certains pays voisins, car les protagonistes zappent sans cesse de chaînes sans y prêter attention. Comme s'il fallait vraiment que ça pète partout autour de nous pour que l'on prenne conscience de ce qui se passe. Voilà qui en dit long sur notre époque. Mais l'orage ne va pas tarder. Les passants dans la rue observent le ciel apeuré, et Ray appelle sa fille pour voir, je cite, un truc super cool. Pourtant, le bon réflexe, c'est bien Rachel qui l'aura en premier. It's okay.
want to go inside. It's okay. Huh? Want to go inside. Ce qui par contre n'aura pas manqué d'inquiéter un mec aussi peu instruit que Ray, c'est que la foudre tombe plusieurs fois au même endroit, ce qui est impossible, à moins peut-être que son... Oh, en effet, Marty, c'est impossible. Enfin, à moins qu'on y réfléchisse un peu, quoi. Déjà, ça peut pas être un éclair normal. Alors, on nous dit qu'il y a des phénomènes électromagnétiques, mais ça peut pas être un éclair. D'apparence, ça ressemble plutôt à une sorte d'arc électrique assez court, ce qui déjà viendrait expliquer pourquoi il n'y a pas de tonnerre, mais il reste le problème de la température. Un éclair atteint une température plus élevée que la surface du soleil, donc quand le petit homme touche le bord du cratère et nous dit « eh bien on sait qu'on a affaire à quelque chose d'inhabituel. Et donc, pourquoi il y a ces éclairs? Alors, d'après des images absolument pas éblouies, hein, comme c'est pratique, ça serait des sortes de guides de transport pour les aliens qui tombent du ciel. Mais du coup, ils viennent d'où en fait? Des nuages? Y a un vaisseau mère qui se cache quelque part? Bref, y a aussi le problème des tripodes enfouis dans la Terre, et ça j'y crois quand même moyen. On peut plutôt imaginer le fait que les aliens ont planté des graines de nanotechnologie dans le sol, qui une fois activées par les éclairs, que c'est que ce rassemblent pour créer le vaisseau, mais sous terre. Donc les éclairs, c'est un genre de démarreur de voiture, mais pour les technologies. Quoi? Alors déjà bonjour. Ah oui, bonjour, oui. Bah ça va toi? Ouais, super. Fait comme chez toi. Non, c'est très intéressant, hein, vraiment. Y a pas de souci, je veux dire. Mais le truc, c'est que je m'en fous un peu de tes explications, en fait. Quoi? C'est pas assez précis? Bah, si, justement. C'est trop précis. Tu vois, c'est pour ça que j'aime autant La Guerre des Mondes. Si ça avait été Christopher Nolan qui avait fait ce film, on aurait eu le droit à 45 minutes de monologue scientifique pour nous expliquer comment les aliens ont pu pénétrer dans leur vaisseau par la foudre, etc. Mais juste là, c'est pas le sujet, en fait. Si un film, au prétexte qu'il est tiré d'un roman scientifique, n'a pas le droit... Stop. Très très grosse mauvaise foi sur Nolan déjà, et ensuite je sers à rien en gros là. Bah c'est un... super. Non mais attends, reviens. Putain, il est susceptible en plus. Non mais attends, mais rallume la lumière au moins. Ok, donc là ça commence à devenir inquiétant, parce qu'un orage quand ça pète ça peut faire des dégâts, mais là disons que les montres ne marchent plus non plus, et les voitures sont à l'arrêt. Pour la première fois la musique commence à se faire entendre, les gens sortent dans la rue, et Ray se dirige vers le cratère formé par la foudre au centre d'un carrefour, avant que ça ne commence vraiment à... Putain, c'est quoi ce bordel? Cette scène est marquée par la démesure. Du sol qui se lézarde entre les jambes des passants, la façade de l'église qui commence littéralement à se déplacer, jusqu'au moment où la terre s'écroule sur elle-même à la manière d'un ventre qui se gonfle d'air. Michael Haneke a dit un jour, « On a tendance à penser que le média qui se rapproche le plus du cinéma, c'est la littérature, mais c'est faux, c'est la musique. Tout est une question de rythme. » Et dans ce film, il n'y a pas une fausse note. Nous serions soi-disant tous blasés de ces films d'action dantesque aux séquences de destruction démesurées. Ce film nous prouve à lui seul qu'il suffit de quelques trouvailles visuelles et d'un bon équilibre entre les instants d'accalmie et de panique totale pour nous donner des frissons. La maestria de cette scène n'a rien à envier à l'entrée en scène du T-Rex dans Jurassic Park. De toute façon, le talent avec lequel Spielberg annonce l'arrivée de ces créatures n'est plus à prouver. D'ailleurs, s'il y a bien un plan de ce film qui est devenu culte, c'est bien celui-là. Pour ce qui est des tripodes, je ne sais pas vraiment quoi vous dire. Ils me rendent dingue. C'est la peur à l'état brut, ce truc. Lors de la conception, Spielberg a dit à son directeur artistique « Je veux des monstres de 45 mètres de haut à trois pattes qui bougent comme des ballerines. Démerde-toi avec ça. » Non mais... comme des ballerines? Putain, mais c'est pour ça que je l'aime autant, ce mec. Cela dit, je pense que l'aura de ces créatures provient de la manière qu'on a de les filmer. Si j'aime particulièrement ce plan, par exemple, c'est parce que nous sommes à hauteur d'homme, d'où ce sentiment d'être écrasé par une créature gigantesque. Du coup, je pose la question, putain, mais c'est quoi ce plan tout pourri? Outre le fait qu'il est juste moche, il désamorce complètement le parti pris initial. Quel intérêt de le filmer du dessus en plan large? L'idée brillante de ce film, c'est justement de ne jamais quitter le point de vue de Tom Cruise. Donc, pourquoi vouloir nous donner une vue ensemble. Tout comme il était primordial de ne pas trop montrer l'alien du 8e passager pour garder un sentiment d'insécurité ambiant et une aura de mystère, je pense qu'il est important de ne jamais s'approcher trop longtemps des tripodes et encore moins de les filmer de plein pied. Car il faut les suggérer plutôt que les détailler. Qu'ils débordent un peu du cadre, qu'ils soient en mouvement, en contre-plongée. Dès lors qu'on leur fait prendre la pose, ça marche plus. Le charme disparaît. Moins on les distingue, plus ils enflamment notre imagination. Et s'il y a bien un autre cinéaste qui a retenu la leçon, c'est bien sûr...
Personnellement, moi dans ce plan, je ressens tout. La peur, la fascination, le vertige. On comprend même pourquoi certains se mettent à courir et d'autres restent sans bouger à le regarder. D'où le génie de Spielberg. Quelle que soit l'étendue de ses moyens, il nous donne toujours à voir des images qui parlent, plus que des images submergées d'effets techniques qui cherchent à nous en mettre plein la vue. Et ce, depuis son tout premier film. Spielberg avouera lui-même en interview qu'il a choisi ce camion car sa calandre et ses phares ressemblaient à la gueule d'un monstre. Y'a qu'à voir l'affiche du film de toute façon. Certains pensent que si l'on ne voit jamais le conducteur, c'est pour mieux préserver le suspense à la manière d'un thriller hitchcockien. Mais non, pour Spielberg, le camion est un monstre. Point barre. Regardez ce plan où il avance tel un prédateur et s'arrête avant de bondir sur sa proie. Lorsque les phares s'allument, c'est bien le regard de la créature qu'il veut nous montrer. Observé dans AI Intelligence Artificielle, comme il joue avec les reflets de l'enfant robot pour symboliser le fait qu'il n'est pas d'origine humaine. Le filmer à travers une porte vitrée pour nous faire ressentir la peur de la mer, ou comme dans ce plan qui nous annonce déjà la fin du film, et de la confusion qui règne entre notre technologie future et celle d'une intelligence extraterrestre. Bam ! Un plan, une grille de lecture. Il n'a qu'à jouer avec les perspectives pour nous faire prendre conscience que cet enfant est un intrus dans cette maison et que sa place n'est pas ici. Certainement pas en filmant ces circuits robotisés. Pour nous faire comprendre que ce n'est qu'un pantin, il n'a qu'à lui faire pencher légèrement la tête. Et cette scène respecte totalement cette formule. Car la démesure de ce qui se passe à l'écran n'est rien face au pouvoir évocateur des images. Mais quel génie de le filmer en contre-jour, c'est littéralement la peur de l'inconnu que Spielberg nous montre dans cette séquence. Désolé, mais si vous aimez les monstres, la SF, les aliens, vous ne pouvez pas être insensible à cette scène, c'est impossible. Mais bien entendu, la plus grande trouvaille de ce passage, c'est bien sûr ce son. Oh putain, mais comme c'est... Mais avant qu'on ait eu le temps de décrypter le message... Cette séquence est un cauchemar, purement et simplement. Vous pouvez ne pas y être sensible, mais je trouve qu'elle regorge d'inventivité. Du moindre mouvement de caméra, au trucage qui consiste à faire s'envoler les vêtements par des effets pratiques, illustrant alors un génocide d'une technologie infiniment plus avancée que la nôtre, tout en exploitant frontalement l'iconographie terrifiante des attentats du 11 septembre. Ray court dans une rue au milieu d'autres passants recouverts de cendres, au moins Spielberg n'y va pas par quatre chemins. Et bien sûr, ce n'est qu'un début. Le spectre de cet événement plane sur à peu près toute la première partie du film. Les panneaux affichant le visage des disparus et les avis de recherche, la maison de la mère éventrée par un avion de ligne, les passants dans la rue qui filment l'horreur avec leur caméra, la révolte du personnage de Robbie qui veut prendre les armes au lendemain d'une catastrophe qui touche son pays, et bien entendu la première réaction de Rachel. Dans cette réplique, pas de sarcasme, ni d'ironie. Steven rompt le silence en faisant dire de manière explicite à un de ses personnages pourquoi il a choisi de faire ce film. Ce manque de distance que Spielberg peut avoir avec son sujet a poussé certains spectateurs à se moquer de cette réplique. Pour ma part, je me souviens que les gens dans la salle riaient autour de moi. Pourtant, il est important de replacer ce film dans son contexte. À ce moment-là, l'Amérique est paralysée, et même Hollywood, empire du divertissement mondial, est soumis à la censure. Comme en témoigne l'annulation du trailer du premier Spider-Man de Sam Raimi, montrant un hélicoptère pris dans une toile tenu par les tours du World Trade Center. Là, en termes de mauvais timing, c'est un cas d'école. Un peu comme s'il brisait le quatrième mur avec cette réplique, Spielberg sonde une Amérique démunie, en état d'alerte constant. D'ailleurs, en 2008, un autre film viendra lui emboîter le pas. Cela dit, je pense que La Guerre des Mondes reste encore à ce jour le film qui pousse au plus loin cette allégorie. Ce moment où Ray réalise qu'il n'est pas seulement recouvert de poussière, mais bien de cendres humaines, cette prise de conscience, admirablement bien retranscrite dans cette scène, n'est pas seulement celle du protagoniste, mais bien celle de son pays tout entier, qui en 2005 était encore très loin de se remettre du traumatisme du 11 septembre. Car c'est bien là une des plus dures lois de notre univers, il faut constamment apprendre à faire la guerre d'une nouvelle manière. Parce que la vie, c'est la mort de l'autre. Mais bon là, pas le temps de niaiser. Ray demande à son fils de prendre de la nourriture dans le frigo et à Rachel de faire son sac dans la minute. La tension est palpable, Ray fonce dans sa chambre et prend ce qui, selon lui, pourra lui être utile. Un flingue. Et là on se dit... Mais enfin, gardez bien cette info en tête, car cette arme aura une importance capitale pour la suite. Ray sort dans la rue avec ses enfants, tenant bien fort la main de sa fille, passant entre les habitants du quartier terrifiés, faisant tout pour cacher l'horreur de la situation à son fils qui lui pose incessamment la même question, saute dans la seule voiture en état de marche, ferme la porte, appuie sur la pédale, essaye de ne pas regarder dans le rétroviseur... Mais bordel, mais ce plan... Ah,
putain, mais sans déconner. Mon cœur se met à hurler chaque fois que je vois ce pont se désintégrer comme un courant d'air balaye un château de cartes. Mon Dieu, si jamais l'apocalypse arrive sur Terre, comme on nous l'annonce sans cesse, faites qu'elle soit aussi belle à regarder que dans ce film. Même pas le temps avons-nous de souffler que nous voilà déjà sur l'autoroute où Ray slalom entre les voitures à l'arrêt au milieu de la voie, dans un magnifique plan séquence où la caméra entre et ressort de la voiture entre deux répliques. Le ciel est toujours gris, le bitume est mouillé, on a peur, les dialogues sonnent juste, la direction d'acteur est incroyable. Écoutez les hurlements de la gamine. Putain, mais vous qui étiez venu bouffer vos pop-corns, vous en voyez souvent des scènes de panique comme ça? Putain, mais tu lui fous la trouille, tu veux mais pas. Mais je m'énerve pas, je leur explique, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? De rouler la roue, arrête de t'en mettre dans ta gueule, tu veux pas. L'efficacité de cette scène repose en partie sur une technique souvent utilisée par Spielberg pour donner au dialogue un parfum d'authenticité, pour rendre le tout plus spontané, disons, qui consiste à faire parler les acteurs en même temps. Tout comme dans la scène suivante, où Ray va tenter de faire à manger à ses enfants, histoire de détendre l'atmosphère après être arrivé au domicile de son ex-femme. Et là, pour le coup, je trouve que c'est assez bien dosé. Pas comme dans Le Monde Perdu, donc. Non. Ouais, tu m'as fait peur, effectivement, parce que dans Le Monde Perdu, ça relève plutôt de la cacophonie. Après, je ah, mais je suis complètement d'accord. En plus, tu vois, si on devait comparer, par exemple, avec Zach. Et putain, j'adore cette scène. Il y a presque la même dans Kramer contre Kramer, où le père absent, joué par Dustin Hoffman, essaye pitoyablement de faire à manger à son fils en manquant de faire brûler la cuisine tout en essayant de garder la face. Sauf que voilà, Ray est à cran. Un Seaton s'est écrasé sur sa maison, les lignes téléphoniques sont HS, et en 2005, on pouvait encore tolérer cette coupe de cheveux. Alors tes putains de sandwich au pain de sec, tu peux te les foutre. Mais enfin, ça valait le coup. Ne serait-ce que pour justifier un de mes plans préférés de tout le film, où Ray reprend ses esprits dans le reflet d'une fenêtre de laquelle glisse lentement un toast au beurre de cacahuète. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse sur ce qui est, me semble-t-il, le gimmick favori de Spielberg, les reflets. Et dans ce film, il y en a partout. Comme dans ce plan qui nous montre à la fois la frayeur de Tom Cruise et celle des passants qui s'enfuient dans la rue. Mon préféré reste ce jeu de rétroviseur où l'on passe d'un personnage à l'autre dans Munich. Chapeau l'artiste. Et si je devais faire un dernier point sur la technique, je suis bien obligé de dire que ce film fait absolument tout ce que j'aimerais voir dans l'industrie du cinéma à grand spectacle. Aussi bien pour ce qui est de la cohésion parfaite entre effets pratiques et CGI que pour le grain de la pellicule. Parce que ouais, j'en ai pas encore parlé, mais vous avez vu ce grain ? Il est énorme. Ce qui, me semble-t-il, est particulièrement efficace pour camoufler les incrustations numériques au sein d'un décor réel. D'où le fait que les tripodes restent toujours aussi impressionnants aujourd'hui. Surtout si on demande à Janusz Kaminski de s'occuper de la lumière. Cette lumière, bordel. Même les plans les plus anodins sont baignés dans une lumière presque onirique. Vous savez, comme lorsque vous êtes aveuglé par les reflets du soleil sur le trottoir après une averse. Bon allez, j'arrête avec les qualités visuelles, hein, parce que sinon... S'ensuit alors la scène où Ray rencontre une journaliste qui va lui apprendre qu'il n'y a pas qu'un seul tripode, mais que c'est bien toute la Terre qui est envahie. Et là encore, j'ai quelques réserves sur ce passage qui n'est là que pour faire de l'exposition. Que la journaliste lui rapporte l'ampleur de la situation ou qu'elle lui explique comment les aliens ont pu rejoindre leur appareil, passe encore. Mais pourquoi on a besoin de voir à la télé les machines envahir la Terre? Je veux dire, le dialogue entre les deux était largement suffisant. Ça a l'air anodin, mais j'aime tellement ce parti pris de nous refuser une vue d'ensemble que j'aurais vraiment aimé qu'ils le tiennent jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on s'en fout de voir ces images de JT où les tripodes détruisent de grandes villes? Le plan est dégueulasse et ça rappelle juste les couvertures du bouquin. Si on reste dans le flou, leur film est d'autant plus. Oh putain, allez, scène suivante, on se casse! Spielberg a déclaré « Un des animaux les plus laids qui soit est l'esprit d'une foule. Une foule qui agit comme un organisme, dans un seul et unique but. » Là, si vous avez déjà vu La Guerre des Mondes, vous savez de quelle scène on va parler maintenant. Celle qui est de très loin la plus violente de ce film. Celle qui n'a rien à envier à la terreur ressentie sur les plages normandes du soldat Ryan, qui saurait faire passer les dents de la mer pour un film d'enfant. C'est bien simple, jamais Spielberg ne m'a autant foutu les boules. C'est fou de se laisser ainsi manipuler par la mise en scène. Elle se joue de nos stimuli. On a peur, on est en colère, on n'arrive plus à penser. Et franchement, quand la voiture se crache contre le poteau et que les gens se ruent sur les portières, je me souviens avoir ressenti un profond sentiment de dépression. J'avais envie de choper le film par le col pour lui dire « Mais qu'est-ce que tu veux ?»
Après, je sais pas exactement ce qui rend cette scène aussi incroyable. La claustrophobie qui monte crescendo dans l'habitacle de la voiture, l'absence totale de musique ou encore l'utilisation de la couleur rouge qui s'accentue à mesure que la situation s'aggrave. Et qui, évidemment, atteindra son paroxysme lorsque l'on fera usage de ce fameux pistolet que Ray a immédiatement pensé à prendre quand il est parti de chez lui. Lorsque nos instincts sont viciés par la peur, il est important de se demander ce que veut dire se défendre. Dans un pays où l'on peut acheter une arme à feu comme on achète un poulet, je trouve que le message est assez clair. Voilà ce que j'appelle du cinéma. Je serai plus rapide sur la seconde partie du film qui, comme vous l'aurez deviné, m'intéresse moins que la première. Cela dit, je l'affirme, le film ne baisse jamais en qualité. Les idées de mise en scène se suivent sans se ressembler jusqu'à la fin et rythment la fuite des protagonistes dont on ne quitte jamais le point de vue. J'insiste là-dessus, car c'est vraiment ce qui fait selon moi la force du film. Spielberg sait pertinemment ce qui a déjà été fait avant lui, ce que les gens ont déjà vu dans d'autres films. Et on devine que toutes ses intentions de mise en scène sont faites en fonction de ce postulat. Comme dans cette scène où la guerre semble faire rage derrière une colline, que Spielberg ne franchira jamais, préférant se focaliser sur Ray forcé de dire adieu à son fils. Tout du long, le hors-film est toujours très bien exploité. Comme dans cette scène où Ray, au milieu d'autres déportés, s'arrête pour laisser passer un train en flammes, ce qui nous fait prendre conscience de l'ampleur de la catastrophe partout dans le monde, sans avoir besoin de s'éloigner de leur point de vue. D'ailleurs, je passe sur la scène du ferry et sur celle où Robbie se lance à l'assaut pour arriver directement au dernier tiers du film, où Ray et Rachel trouvent refuge dans une vieille cave abandonnée aux côtés d'un type nommé Harlan, joué par Tim Robbins, et dont la première apparition ne manque pas de subtilité. Je ne vous ferai aucun mal. Bref, pas besoin d'avoir vu le film pour deviner que ça va mal finir et que ce personnage va bien foutre le bordel. Cela dit, toute cette séquence est très importante. Parce que ce film déconstruit totalement le mythe de l'humain qui redouble de courage et de solidarité lorsque la menace est réelle. Comme Wells avant lui, Spielberg nous montre qu'au contraire, nous ne sommes pas préparés. Que nous serions prêts à nous entretuer pour une bagnole. Qu'on ne peut compter sur personne. D'où l'importance dans le récit de ce personnage rendu fou par la perte de ses proches, qui se prend pour un résistant. Persuadé de pouvoir inverser la tendance avec son petit fusil, de pouvoir rejoindre les tunnels du métro en creusant un trou avec sa petite pelle. Parce que oui, dans ce film, même Tim Robbins, quand il creuse, ben ça sert à rien. Chaque fois que l'on s'imagine être à l'abri, on se rend compte qu'on est encore plus dans la merde. Et j'adore ce plan où Tom Cruise manque de devenir fou à son tour lorsqu'il comprend que lui et sa fille sont enfermés avec un barge, alors que des insectes d'acier propagent le sang de ses congénères juste au-dessus du plancher. La menace est dedans, dehors, elle ruisselle par la fenêtre. Après tout, c'est ça la guerre, on ne peut jamais fermer l'œil. Et ça, Spielberg sait le filmer, aussi bien dans La Liste de Schindler que dans ce film. Mais si je devais encore faire un parallèle avec un autre film de Spielberg, ce serait bien sûr avec la scène du drone extraterrestre dans la cave, que les plus attentifs d'entre vous ont sûrement reconnu. Cela dit, Spielberg ne rend pas seulement hommage à lui-même, mais aussi au film de 53 auquel il semble vouer une totale admiration et dont il reprend même certains plans à l'identique, tout en redonnant au passage un petit coup de polish à ce film qui a quand même sacrément vieilli. J'aurais juste quelques réserves sur le design de ce truc qui me fait vraiment penser à une lampe de dentiste. Cela dit, ça reste toujours plus menaçant qu'un pommeau de douche. Rendez-vous, humain. Et ça, sérieux, mec. On dirait E.T. avec un jeu Simon encastré dans la gueule. Mais je m'égare. Pendant que j'étais en train de raconter mes conneries, Ray se rend compte que Rachel a disparu.
Un hurlement provenant de l'étage du dessus retentit, et Ray ouvre la porte de la maison, obstruée par d'étranges racines rougeoyantes qui l'empêchent de traverser. À partir de ce moment-là, la Terre n'appartient plus aux humains. Les envahisseurs sont désormais chez eux. Dans cette séquence, on s'enfonce dans la vision de H.G. Wells. On quitte l'aspect ultra-réaliste et spectaculaire pour tendre lentement vers une fable macabre. Comme si la maison au Kansas du magicien d'Oz était maculée de sang. Sans exagérer, il me semble bien que ce plan est de loin le plus dépressif de toute la carrière de Spielberg. Oui, monsieur. Rachel ! Rachel ! C'est d'ailleurs à ce moment-là que le film va atteindre le point culminant de l'horreur, lorsqu'un tripode s'empare de Rachel et que Ray, désespéré, va se laisser kidnapper à son tour comme pour se laisser mourir aux côtés de sa fille. Et je dois bien avouer que c'est bien là la séquence la moins bonne de tout le film. Spielberg avouera lui-même ne pas avoir aimé la tournée, et ça se sent. On en revient toujours à ce problème de parti pris à moitié respecté. Si le but était de suivre un protagoniste impuissant et dépassé, quel intérêt de le voir choper une grenade dans une vieille Jeep pour ensuite dézinguer un tripode ? C'est dommage, putain. Alors certes, on nous fait clairement comprendre que ça ne change pas grand-chose, et que Ray, à défaut de sauver le monde, a surtout sauvé sa fille, en détruisant un tripode qui était de toute façon condamné. Mais il n'en reste pas moins que cette séquence, complètement forcée, n'est là que pour répondre à un cahier des charges relou, fait pour contenter un spectateur qui ne supporterait pas de suivre un Tom Cruise qui ne prendrait aucune décision. Merde. Et à propos de merde, je ne parlerai pas du design de ces espèces de trappes qui absorbent les humains, qui ressemblent, à des trous du cul, hein, on va pas se mentir, tout le monde l'avait remarqué. Oh non, putain, c'est dégueulasse, si on s'en prend plein la gueule en plus. Enfin, la pression retombe. Ray et Rachel arrivent finalement à rejoindre Boston dans un plan que je trouve magnifique, où les derniers survivants errent sur une autoroute abandonnée après la rafle des machines. Bon, tout le monde sait que Spielberg est juif. Hein, ok, donc je peux effacer ce paragraphe. Ray s'aperçoit alors que cette étrange végétation extraterrestre ne s'adapte pas à notre atmosphère. Ce qui nous emmène tout naturellement au dernier acte, où Ray se rend compte que les oiseaux arrivent à s'approcher d'une de ces machines, ce qui laisse deviner qu'elle n'a plus de bouclier de protection. Ray suggère à un militaire de lui défoncer sa chienne de race, parce que oui, il fallait encore trouver un truc à faire à Tom Cruise. L'armée ouvre le feu, le tripode est vaincu, mais avant de pouvoir nous réjouir, la mise en scène nous montre que ce tir de roquette n'était qu'une façon d'abréger les souffrances d'un alien à l'agonie, dont la mort fut provoquée par son incapacité à s'adapter à notre écosystème. Les microptériens auxquels il n'était pas immunisé ont exterminé les envahisseurs. Donc la prochaine fois que tu râles parce que t'as le nez qui coule, pense que c'est peut-être juste le prix à payer pour ne pas se faire coloniser par ces saloperies. Ah ben voilà, t'as bien saisi la morale de... Ray ramène finalement Rachel auprès de sa mère en la portant dans ses bras, comme pour rendre un vibrant hommage au plan final de La prisonnière du désert de John Ford, un des films préférés de Spielberg. Rachel court dans les bras de sa maman, Ray retrouve finalement son fils, tout est bien. Qui finit bien. Et c'est ainsi que se termine La guerre des mondes de Steven Spielberg. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on en arrive au sujet qui fâche. Musique ! Alors voilà, maintenant on va aborder l'inévitable sujet récurrent qui vient se coller au débat lorsqu'on parle de ce film depuis sa sortie, le Deus Ex Machina. What is that? Le Deus Ex Machina, je ne vais même pas perdre de temps à vous expliquer ce que c'est. Déjà d'une parce que je suis pas d'humeur, mais surtout parce que vous savez tous, absolument tous ce que c'est. Je pourrais même pas vous dire combien de vidéos en parlent et combien de chroniques de cinéma l'utilisent pour s'économiser un argumentaire. En fait, le Deus Ex Machina, c'est typiquement le genre de terme un peu compliqué que certaines personnes qui, depuis qu'ils l'ont entendu une fois, se mettent à le coller partout et à propos de tout. Histoire de se la jouer fin analyste, t'as vu mon gars, je suis un grand critique. Et donc, à en croire le net tout entier, le film qui abuse le plus de cet élément que l'on a au cas où je l'aurais pas assez répété, le Deus Ex Machina, la facilité d'écriture ultime du 7ème art, le représentant absolu de cette déviance du cinéma populaire américain, c'est la guerre des mondes. Oui, parce que les aigles dans le Seigneur des Anneaux, ça passe. Hein. Oui. Ou même dans Avatar, par exemple, quand la Schtroumpf Pocahontas se met à brailler niaisement. Parce que l'esprit de la forêt... Oui, l'esprit de la forêt vient botter le cul des méchants militaires pour sauver les gentils aborigènes dans un dernier acte qui ferait passer Michael Bay pour un auteur shakespearien. Ça passe. Ou même quand la Simone de Beauvoir intergalactique devient miraculeusement une Jedi en à peine 2 heures dans le pire Star Wars jamais cauchemardé, histoire de mettre KO un puissant seigneur Sith. Tout ça en attendant que le faucon ne la ramène pour le goûter. Ça va encore, ça, hein. Oui. Non, au lieu de ça, il a fallu que vous veniez casser les couilles à Spielberg pour un film qui ne contient pas, je répète, qui ne contient pas de Deus Ex Machina. Ce film a une intention bien précise. Il faut quand même pas être très fin pour passer à côté. Nous plonger au cœur du chaos, nous faire ressentir la peur, l'urgence, à travers le regard d'un être humain lambda, un monsieur tout le monde qui finit par penser, tout comme le spectateur, qu'il n'y a aucune issue, qu'on va tous mourir de manière précise, radicale, et qu'aucun espoir ne nous est permis. Donc il faut m'expliquer là.
Vous auriez voulu quoi? Que les scènes de destruction et de désespoir soient entrecoupées par des plans où on verrait les bactéries en action pour terrasser les méchants aliens? Allez les gars, la petite Rachel à école lundi, faites-moi péter ces globules blancs! Vous auriez voulu un personnage de scientifique en blouse blanche qui nous aurait sorti des termes que vous n'auriez de toute façon pas compris et qui nous aurait pris la tête avec une morale écolo d'un ton sentencieux comme dans tous les films catastrophes? Pratiquement tous ces films d'apocalypse et de fin du monde sont victimes d'un cahier des charges qu'on connaît tous par cœur, qui nous font dire sans cesse que ces films se ressemblent tous, qu'ils sont parfaitement interchangeables. Et pour une fois qu'un film prend des libertés sans vouloir ménager le spectateur habitué à ces éléments d'exposition à la con dont tout le monde se fout, il a fallu que vous preniez ça pour un défaut. Oui, ça arrive d'un coup. Oui, on l'avait pas vu venir. C'est justement le principe! Parce qu'on pense que l'armée va bien finir par venir à notre secours. Et on nous montre à plusieurs reprises que non. Que les nations armées sont impuissantes face à ces machines. Qu'aucune arme n'est efficace. Tim Robbins nous le dit à un moment. Ce n'est pas une guerre, c'est une extermination. L'idée, c'est justement de nous refuser toute explication qui puisse nous rattacher à l'espoir que quelque chose puisse nous sauver. Ça aurait servi à quoi qu'on fasse du build-up sur le fait que les aliens vont finir par mourir de maladie? À part bien sûr désamorcer la peur et la tension et vous entendre dire: oh, c'est tellement téléphoné. Je vous jure, je vois même pas pourquoi je suis obligé de préciser pourquoi ce n'est pas un Deus Ex Machina, tellement l'intention est évidente. Surtout quand ça a été annoncé plus tôt dans le film. It's gonna get infected. No, it won't. Yes, it's gonna get infected. No, it won't. When it's ready, my body will just push it out. Voilà, une deuxième fois pour être sûr que tout le monde comprenne. Voilà, quand il sera prêt, mon corps de lui-même va le rejeter. Je sais pas, faut vous envoyer un fax ou... Pourtant, vous aimez bien ça, le setup payoff d'habitude. Oui, le setup payoff. Le fait de montrer ou de dire quelque chose dans le film qui paraît anodin, mais qui va se révéler primordial plus tard dans le récit. Quand c'est votre Christopher Nolan chéri d'amour qui le fait dans absolument tous ses films avec la subtilité d'un bulldozer, ça vous pose pas de problème. Non mais laisse tomber, Martin. Ou peut-être que ce n'était pas non plus assez subtil quand Tom Cruise nous dit... Ou alors peut-être que tout ceci n'est qu'un prétexte en fait. Que vous aviez fabulé cette histoire de Deus Ex Machina juste parce que vous auriez préféré voir les Américains défoncer les aliens avec leur gros navion et finir sur Will Smith qui se gratte les couilles un cigare entre les dents. Je t'avais pas promis un feu d'artifice? Parce que Tom Cruise qui se planque pendant 2 heures pour voir des microbes nous voler notre victoire, ça vous défrise au fond. Plus sérieusement, c'est peut-être parce que la voix off a eu la connerie de mentionner Dieu dans le texte qui est censé conclure le film. Dieu, Deus Ex... Ou peut-être parce que vous vous obstinez à suivre le guide du parfait petit scénariste qui considère qu'une résolution, un dénouement, qui ne serait pas du fait des protagonistes est forcément un Deus Ex Machina. Idée que je trouve absolument conne. Mais enfin, on va pas se mentir, c'est sûrement ça qui s'est passé pour que ce film se tape une telle réputation. Cela dit, si vous n'avez rien compris à l'œuvre de Wells, c'est pas non plus la peine de le crier sur tous les toits, les gars. Ne vous en déplaise, la toute première image de ce film nous montre des bactéries dans une goutte d'eau, cette même goutte d'eau qui va devenir la Terre. Perso, je trouve le message assez clair. On appelle ça de la mise en scène. Donc, à tous ceux qui pensent que cet élément sort de nulle part... Tiens, alors, en plus. Ah mais dis donc. Et pour les autres, les bactéries n'ont pas agi soudainement comme une intervention divine, elles ont simplement pris le temps qui leur était nécessaire pour agir. Et au moment où il n'y avait plus d'espoir, où tout semblait perdu, on a vécu cette délivrance à travers le regard du protagoniste. Un homme dont la seule priorité est de protéger ses enfants, et qui n'a accès à aucune information qui aurait pu le convaincre que tout allait bien se finir. Voilà. Je vais pas épiloguer parce que franchement, on a assez perdu de temps comme ça. Dans ce film, il n'y a pas de Deus Ex Machina. Voilà, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Maintenant, fais tourner l'info à tes copains, et en ce qui me concerne, j'ose espérer que le destrier galopant de la mauvaise foi aura enfin terminé sa course folle. Le sujet est clos. Ouais, bon Marty, j'aime bien tes vidéos, mais t'as besoin d'être aussi méprisant. On peut tout à fait être grinçant et incisif sans être hautain, et cette façon de voir le film n'est que ton avis, rien d'autre. Tu manques beaucoup de recul sur toi-même, et ta façon de nous asséner ta vision du cinéma est à la limite du supportable. Ouf, ça fait du bien. Ce film, ou si vous préférez ce roman, n'est pas simplement là pour nous dire que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Il nous dit aussi que nous ne sommes pas seuls sur Terre. Que la plus infime des bactéries participe aussi au bon fonctionnement de cet immense écosystème dont nous faisons tous partie. Certains y voient un scénario simpliste bouclé par un happy ending et qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Moi je dis non. Ce serait trop facile. Les aliens ont échoué leur projet de colonisation, comme nous échouons au quotidien à conserver notre planète dans notre quête de productivisme exponentiel. Certaines espèces sont rappelées à l'ordre lorsqu'elles refusent de vivre en symbiose. Voilà. Et je ne comprends pas trop ce qui vous choque à ce point. En conclusion, je pense qu'on ne l'a pas volé, notre happy end. Alors vos histoires de Deus Ex Machina, vous pouvez vous les foutre bien profond Merci, dans merci. Le...
On a compris. Maintenant, je m'adresse à tous ceux qui ont tiré à boulet rouge sur ce film. Que vous ne l'aimiez pas, c'est parfaitement votre droit. Que vous le trouviez assourdissant, poussif, épuisant, honnêtement, je comprends. Ça hurle, ça ne s'arrête jamais, le ton ne varie pas, donc ouais, il faut aimer. Je comprends qu'on soit plus sensible aux rêveries d'un Jurassic Park ou au scénario complexe et haletant d'un Minority Report. Mais que vous trouviez ça mauvais, là non. Vous me trouverez toujours sur votre chemin. La technique, le jeu d'acteur, l'atmosphère, la lumière, la direction artistique et bien évidemment, la mise en scène. Ce n'est même pas bon, c'est parfait. Même si vous vous dites sûrement que c'est bien plus difficile de prôner le dialogue interespèce plutôt que de simplement tout faire péter. Que E.T. c'était quand même un grand film. Parce qu'il faut être courageux pour parler ainsi d'amour dans un monde où l'homme ne fait que s'enfoncer dans la peur de l'inconnu. Que Elliot, lui, il était mignon et surprenant, contrairement à cette gamine qui ne fait que nous exploser les tympans. Et qu'après tout, les aliens sont partis aussi vite qu'ils sont arrivés. Et que oui, comme on l'a vu, le film n'est pas exempt de défauts. Mais voilà, ce film m'obsède. Et de toute façon, il fallait que je vous en parle. Juste, redonner une chance à la guerre des mondes, c'est tout ce que je vous demande. Parce que si vous aimez Spielberg sans aimer ce film, c'est que vous êtes passé à côté de quelque chose. J'ai tenté aujourd'hui de défendre ce film du mieux que j'ai pu, en mettant en avant ma sensibilité plus que mon expertise. Car je suis intimement convaincu qu'il s'agit réellement d'un film culte, et clairement d'un des meilleurs films de son réalisateur. Mais aussi parce que depuis le début, je sens qu'il est victime d'une profonde incompréhension, symptomatique d'un écueil dans lequel beaucoup de gens s'enfoncent lorsqu'ils jugent un film, et qui, je dois le dire, m'inquiète un peu. Comme si un film qui n'a pas de scénario complexe est forcément mauvais. Comme si un film n'avait pas le droit de ne jouir que de sa technique ou de sa mise en scène. Un peu à la manière de ces gens qui clament haut et fort que les chansons des Beatles sont merdiques, au motif que leurs paroles sont vides, feignant de ne pas comprendre que si on écoute leur musique, ce n'est pas pour la profondeur du texte, mais pour le rythme. Feignant de ne pas comprendre la réelle intention de l'auteur, en somme. Et il y en a, chaque année, des films brillants, qui délaissent le scénario au profit d'une expérience visuelle, sensorielle, contemplative, intense, etc. Et dont on continue à dire le plus grand mal, au seul motif qu'il ne se targue pas d'une écriture complexe ou originale, qui ne joue pas de plot twist, de retournement, de setup payoff, de puzzle, sans compter que l'indulgence du public varie d'un film à l'autre. Et on ne sait pas pourquoi. Parfois l'argument du scénario qui tient sur un post-it est brandi comme un véritable scandale, et parfois non. Ça passe. J'ai déjà tenté plusieurs fois sur cette chaîne de défendre ce point de vue, mais après avoir parlé de ce film, je pense que j'ai enfin fait le tour de la question. La guerre des mondes est un pur film de mise en scène, et j'affirme qu'il n'a pas à rougir de sa fin. Cette fin sur laquelle la plupart des gens se sont acharnés, en expédiant de manière assez incompréhensible toutes les autres qualités du film. Pourtant, si la vie était un film, bah on pourrait dire qu'on commence à voir comment il va se finir, non? Nombre de scientifiques et autres experts s'accordent à dire que quelles que soient les décisions prises à partir de maintenant, tout cela va très mal finir. Donc, au vu du contexte actuel, et en ce qui me concerne, La Guerre des Mondes fait partie de ces rares films qui arrivent à me redonner espoir. Alors ouais, je maintiens. Ce happy end, pour une fois, on l'a pas volé. Non mais laisse tomber, Marty. Laisse tomber. Mais casse-toi !